les gars, c'est une dinguerie. Attendez, je coupe là parce que là. Attendez. Bon, les gars, hier il y a eu un gros problème. Là, on a eu un blessé dans l'équipe. C'est pas lui, voilà. Il a menti. Aujourd'hui, journée quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, jet ski. Jet ski, voilà. Aujourd'hui, je monte avec lui. C'est la première fois que je monte avec lui. Je vous mens pas, je vous dis la vérité, j'ai peur, les frères. Je vous dis la vérité, monter avec lui, on n'est pas serein. Ouais. Je t'aime, Riyad. Moi aussi, frère. La vie elle est belle, la vie de ma mère, la vie elle est belle, les frères. Donc voilà les gars, bon, les gars, tous ceux qui ont jamais cru en moi, hein, je vous vois les gars, tous ceux qui ont jamais cru en moi, je vous vois les gars. Allez, bisous l'équipe. La vie c'est simple. Santé. Bon les gars, voilà, jet ski terminé. Ah, franchement c'était lourd les gars, franchement je les ai tous fumés, j'étais toujours en avant, les autres essayaient de me suivre et tout, mais ils n'arrivaient pas. Après c'est la vie, c'est pas grave, t'as capté. Bon les gars, jet ski terminé. Ah c'était un truc de ouf, ah, j'ai pris un kilo de muscle, regarde. Tellement c'est toujours moi tellement le jet ski était lourd. Toujours des menteurs ici. Bon les gars, jet ski terminé. Incroyable, n'est pas dada. Eh, bonsoir. Ouais, jet ski terminé. Terminé, c'était vraiment lourd, je suis tombé un comme d'hab. T'es tombé? Ouais. C'est bien, ce soir, t'as qu'il y a la ronde. Can you... Non, y'a... Ah, yes, it's... Ah, ok, sorry. So, I meet a new friend. What's your name? PJ. PJ, you have a piercing. Piercing? No, braces. Ah, braces, ok. Philippine girl, lot of problems. Bon, là, je crois qu'elle me kiffe, les gars. Je vais vous dire la vérité. Je crois qu'elle me kiffe. Voilà. Lui, il kiffe les Asiates, en fait, c'est pour ça. Elle comprend pas les français. You know, he doesn't speak French. Don't translate what he just said. You love Asiatic girl. No, yes, it's my type style. It's my style, but à mon avis, you are married. Ouais, elle a dit non. Are you not Bagodois? En fait, t'as capté, moi je suis toujours en avance. Ok. Oh, you're very free. Ok, elle est libre. Hein. And I'm your type. Ah, fait que de rigoler, les gars, sans c'est mauvais signe. Hein. Fait que de rigoler. So, back in the business. Back business. I'm your type or. Why you ask? It's just a question. Bon, c'est mort, les gars, laisse tomber. C'est cuit, les gars, laisse tomber, les frères. Attends. C'est bon? Ah ouais, c'est grave, frère, t'as fait une dinguerie, ma gueule. C'est quoi un délire, mon sang? Non, vas-y, dis-moi, c'est pas délire. Pas de Les pots cassés, les pots cassés. Un match organisé par Impulse Star. Nous, les grands de France, contre les petits de Dubaï. Voilà. Vous allez quoi? Voilà Thomas. Voilà Julien. 5-0. Écoutez, Impulse Star organise un match ce soir. Et on va aller fumer, c'est sûr. Ati Ouais. Ati. 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 Ouais
Bon les gars, là on est en train d'organiser un événement spécial. Gallo, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'événement là qu'on est en train d'organiser? On essaye. C'est un match de foot organisé par un plus tard. Donc ça va être le FC Dubaï, donc les gens qui vivent à Dubaï, contre le FC Smile. Les gars, ne faites pas honte s'il vous plaît. Tadam, mais lui c'est pas jouer au foot, hein. Ça va être un peu technique, hein. Ça va être chaud pour moi. Après, tu me regardes, il charbonne, il doit être un mec qui... Là il est en train de me brancher, gardien, tu sais, tu connais. T'as pas peur de plonger toi? Mais j'ai peur de plonger moi, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis en attaque, moi. Sur du béton. Non, toi tu vas au goal, tu vas au goal. Bon, les gars, c'est parti. Sorti aujourd'hui avec l'équipe. On prend laquelle? Celle-là, celle-là, celle-là. On prend quoi? Ça, c'est les clés d'une voiture qui s'appelle le SV. Le SVR. SVR. En voiture, Simone. Plus sportif et dynamique. Toi, en fait, si il serait pas passé là, je l'aurais pas passé. Qui? Elle aurait fait un chien. On passe pas la caméra. Alors t'as conduit lequel aujourd'hui? Celui-là, c'est le mien. C'est le tien? C'est le mien celui-là. Et du coup comment se passe ton début de quatrième journée ici à Dubaï? Ça va, c'était bien. Toi t'as conduit lequel toi? J'ai conduit celui-là ce matin. C'est quoi ça? C'est une voiture safari? Ça coûte combien ça? 300 000 euros? 300 000 euros, ouais. Toi la tienne elle coûte combien? 235. Non. 260. Ouais, je crois que c'est juste le prix ou quoi? Ça coûte combien? 150 000. Ah, eh oui, rapport qualité-prix, elle est pas mal la tienne. Hein. 150 000. Non, on peut l'acheter, frère. Et Benito, tu as conduit laquelle aujourd'hui? Ça, je crois que je vais prendre un truc comme ça. Ça ressemble à Babybel. Vas-y, quoi, Ferrari. Ouais, Ferrari. Bon, les gars, là, on est arrivé, ça y est. Bon, fin du match, l'équipe. Foucault, c'est comment? Tu débriefs. Bon, les gars, franchement, de base, ils étaient en train de perdre Smile. Après, je suis rentré, t'as capté, on a égalisé. Et puis, je suis sorti, ils étaient encore en train de perdre. Après, à la fin, on a commencé à rattraper. Du coup, c'est match nul. Personnellement, Mais toi, qu'est-ce que t'as apporté à l'équipe, Foucault? Ah, frère, moi, j'ai pas marqué, mais j'ai fait des assistés. J'ai participé, frère. Le plus important, c'est de participer. Ah, Foucault, frère. Ils ont perdu. Non, match nul. Radou, dis-lui. Allez, c'est même plus. RD. Combien il y a eu en vrai? 0-5. Arrête de mentir, à un moment, c'était plus 4. Quand on a réussi à faire plus 4 pour de vrai, les frères. Il y avait plus 4. Vous avez mis 3 buts. 3 buts? 2 buts quand il y avait. Vous avez dit plus 9? Non, il y avait plus de défenseurs. Les gars, on va rentrer à la villa. Homme du match, c'est lui. Ah, merci. C'est lui. C'est important. Au goal comme devant, les gars. Il faut faire les choses pour l'équipe. On est une équipe. Exactement, on est une équipe. En plus, on change pas une équipe. On change pas une équipe qui quoi? Qui gagne. Exactement, les frères. Donc voilà, accro, gros dédicace à toi. Merci. T'as une dédicace à passer spéciale? Je voudrais faire une dédicace pour Riyad. Pour moi, frère. Bien sûr, pour toi. Quoi pour moi, parce que t'étais là devant, derrière, tu défendais comme Jaja. Merci. Tes cheveux, c'était comme ça. Merci, mon frère. Bon, béni le départ. Hein. Ça y est, on part à Paris, ça y est, on prend l'avion. Très bon séjour. On a kiffé. C'est comment? Radoudou, hein? Le départ. Salut. Salut la petite canon à Riyad. Plein de gros bisous. Entrez bien, les frères. Mbappé. Entrez bien, les frères. Voilà. Merci, frère. Aucun enfant. Foucault. Entrez bien, les gars. Rends bien Foucault. Et les pranks, diminue les pranks. Regarde, c'est mon ref. La prochaine, mon sauce. Putain, j'ai encore avec toi, frère. Accro. Regarde, rends bien, mon frère. Un plaisir quand même de tout ça. De partager la soirée avec toi. Ouais. El Patron. Donc, les gars, je vous explique. En fait, il y a une première équipe qui part aujourd'hui. Parce que moi et Vargas, on doit rester pour tourner d'autres trucs. On a d'autres trucs à faire ici. On a des tournages à faire ici. Donc, voilà. Il y a un premier groupe qui part. Il y a Radoudou qui part. Ah, en fait, tout le monde part sauf moi et Vargas. Donc, voilà, c'est. J'ai les larmes aux yeux un petit peu. T'as vu? Regarde, là, c'est le départ. Ça y sort. Hein. C'est la sortie. La sortie honorable. Un petit mot, ton dernier mot pour Dubaï. Quand même, c'est beau quand tu pars comme ça. Ton dernier mot de Dubaï. Merci, Dada. Merci, Dada. Exactement. Bon, ton dernier mot de Dubaï. Frère, on va rouvrir le frigo vide là. Je vais remonter sur ma trottinette. Je vais tourner dans les rues de Paris. Ah ouais. De ouf. Avant, Riyad n'est pas. Incroyable n'est pas Riyad. Incroyable n'est pas acrobate. Incroyable n'est pas nous.
On est ensemble, mon gars, ensemble. Pas de bêtises. Hein. Non, tu connais. Bon, les gars, j'ai oublié de vlogger. Vas-y, vas-y, t'as dit attends avec le room service. T'as dit attends, ma gueule. T'as dit attends, défonce pas le room service maintenant. C'est lui qui a mis la carte. Attends, je regarde à quoi dans le room service et tout. Ah, c'est pas grave, si tu touches, tu payes. Touche pour touche. C'est vrai. Hein. Bah, moi, je voulais les 400. Je voulais les 80. Non, arrête, arrête. T'as pas... Il a dit non. Prends ta chambre d'hôtel, vite fait. Ah, voilà, lit de place. Non, un lit, une place. Non, je dors. Putain, fou. Arrête, frère. Toi, tu dors sur le canapé là-bas, on a dit. Ne touche pas. Bon, les gars, j'explique la situation. Là, en fait, tous les autres ils sont partis. Ça veut dire il ne reste que nous deux. T'as vu, là, ils sont tous fait éliminer de l'aventure. Ouais. Il ne reste que nous deux, t'as capté. Vas-y, parle en anglais vite fait. Bah, tu dis quoi? Tu fais une petite phrase en anglais, histoire comme si tu voulais gérer une meuf. Vas-y, vite fait. Hey, nice to meet you. My name is Vegas. Hi, Vas-y mon frère, vas-y. Il reste que nous dans l'aventure. Là, il nous reste deux jours. On va tout casser, frère. Eh, on va tout casser ou pas? Frère, on va tout casser ou pas? On va faire quoi? On va tout casser. Je vais être tout seul dans la bleuche, mon frère. Je suis avec un mec. Ouais, c'est ma femme de Dubaï. Ah, t'es énervé ou quoi, ma gueule? Célibataire! Célibataire encore! Une fois de plus! Célibataire! Moi, j'ai pas que du slack. Putain, on est là, on fait dada! J'ai la dalle! Là, écoute, la villa c'est plutôt dada. Mais la Ligue des Champions, là c'est là, tout ce qui se passe là c'est j'ai la dalle. Mais dans j'ai la dalle, y'a que les Cristiano Ronaldo, Messi qui peuvent faire j'ai la dalle. T'as capté ou pas ce que je dis? Vas-y, fais une petite corée vite fait, une petite corée vite fait, une petite corée des States. Ça c'est GG. ça c'est GG. Bon les gars, là on est là pour du coup deux jours. Là on s'est reposé, là je me suis reposé un peu. Bon lui il a dormi, là il est parti dans un endroit un peu, t'as capté. Moi je suis là encore, je vais me reposer un peu encore. Soit ça va peut-être aller au restaurant vite fait. Mais voilà, sinon tu connais hein. Tu connais là, ça va être deux jours tranquillou, à l'aise, blesse, t'as capté ou pas? Mode bronzage tous les bails, bronzage tous les bails. Donc voilà les gars. On va peut-être faire des petits jeux. Je vais essayer de trouver des petits jeux à faire avec lui ce soir. Comme ça, on rigole un peu. On passe une bonne réseau entre potes. On rigole bien. Et voilà, tranquillou. À l'aise quoi. Azelé. C'est vraiment énervé de la vie à Dubaï quand même. Vous avez vu, j'ai une sorte de. Comme une barbe qui pousse, mais c'est pas une barbe. C'est un truc chum comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ouf hein. Qui sait faire ça? On va se dire à tout à l'heure, les gars. Peace! L'équipe, ça y est, c'est le grand départ. Hein. Ça y est, c'est l'heure de rentrer les retours. Retour à la maison, retour à la case départ. Retour à la Casablanca, les gars. T'es dame, je suis KO, je suis mort. Purée, j'ai passé une soirée hier, les frères, c'est une dinguerie. Hein. Soirée censurée. Hein. De la vérité, c'est censurando, mon frère. Eh, les gars, c'est une dinguerie, carré. Et puis, au début du vlog, j'avais pas de barbe là, j'ai une barbe qui pousse, on dirait, frère, il s'est passé 365 jours, mon frère. Bye, bye. Vas-y, fais bye, bye, fais. Mais fais-le bien, wesh. Vas-y, je veux même pas, frère. Mais fais bye, bye, frère. Vas-y, dis-le. Bye, bye. Bye, 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 bye. Vas-y, retire-le. Bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Eh, hey, les gars. Regardez. Hein? Regardez, les frères. Oh. Regardez, les frères. Aïe aïe aïe, hey. Ça c'était hier soir. Hier soir, j'ai dit la soirée technique. En fait, là c'était une américaine. C'est à dire, je commence à traîner avec des américaines. T'as capté ou pas? C'est à dire que, en fait, les filles de France elles ont pas encore capté mon personnage. Les américaines elles ont très bien capté. T'as capté ou pas? T'as capté, vous sous-estimez en France, mais vous inquiétez pas, les américains elles ont compris. Les américains ils ont toujours un temps d'avance de toute façon, j'ai toujours dit. En vrai de vrai, les gars. J'étais là, elle était là, on a fait les dièses. Tu vois, elle est américaine. Carte américaine, visa américain, carte vitale américaine. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait trop vite, frère. Elle était là, yes. J'étais là, yes. Peace, t'as capté ou pas? C'est en mode Los Angeles vibes, mon frère. Du coup, elle s'appelle Shawnee. Shawnee, je te fais des bisous. Quand je reviens, on se revoit très vite, ma beauté. En plus, elle kiffait quand je parlais français, j'ai que de la D. Elle dit, oh, talk with me in French. C'est là, moi, j'aime le fromage. Elle était là, oh, j'aime le fromage, oh. Bastille, Châtelet-Léal, Gare de Lyon, elle était là, elle était ensemble, elle était ensemble, frère. Mais bon, tu connais, on reste toujours dans notre petit carré. Bon, voilà, les gars, on dirait avec le cafard, hein. Le jugez pas. Vas-y, l'équipe, on se retrouve tout à l'heure quand j'ai des trucs à vous dire. Babanks. Ça y est, les gars, c'est le grand départ, on y va. C'est carré. C'est carré. Yo les gars, je suis arrivé à l'aéroport et je suis au McDo. Et c'est mon dernier McDo halal. Donc voilà, Big Mac, Nuggets. Ça je sais pas ce que je crois, c'est un McChicken. Donc voilà les gars, purée, ça va me manquer. Hein. Ça va me manquer tout ça. Ça tapait des grands McDo tout ça et tout. Et là, c'est fini. It's finished. Hey, j'ai tenu mes gouttières quand même. Hein. C'est le voyage. Hein.
Donc voilà, je vais manger ça les gars. Et puis je fais un petit débrief maintenant de ce voyage ou pas? Ouais. Non. Ouais, non. Oui. Ouais, c'était vraiment sympathique, très sympathique. J'ai kiffé vraiment. Il y a eu de tout quoi. Il y a eu de tout, il y a eu des embrouilles, de la rigolade. En vraiment, sans mentir les gars, 9 sur 10. Que, non, 10 sur 10. Parce que vraiment, c'était carré. Que vraiment tout était carré, tout était bien organisé, bien ficelé. Et voilà, encore merci à tout le monde. Je vais faire un vrai débrief quand je vais rentrer chez moi. Là, à froid comme ça, t'as vu, c'est pas. À chaud, pourquoi à froid, à chaud. Voilà, en direct avec le mec qui me colle partout. Il me suit partout, voilà. Là, je suis dans une chambre, il vient dans ma chambre, je vais au McDo, il va au McDo, wesh ma gueule. Là t'es en train de tourner quoi comme vidéo? Tu tournais quoi comme vidéo là? En fait non, je suis en train de tourner une vidéo. En fait j'ai tourné une vidéo que j'ai postée sur mon Instagram d'ailleurs, vous pouvez aller la voir si vous l'avez pas vu, c'est avec un Big Mac. Et lui, il a une superbe idée, c'est de refaire la même chose mais avec des nuggets. Super Vargas, Vargas l'imagination. Sympa. Voilà, comment avoir des millions d'abonnés, c'est simple. Reprendre tout ce que je fais, voilà. Il refait exactement la même vidéo que moi, hey, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre y a même pas, tu changes même pas d'angle, rien, le même angle. Bon les gars, j'arrive, je vais mettre quelques tartes, on se retrouve à l'hôpital. C'est comment mon loup? C'est léger. C'est léger dans la machine. Vas-y, bonne nuit. Bon, l'équipe, on va décoller bientôt dans les environs. Et voilà, les gars, peut-être que ce soit à vous. Ok, pause. Attendez. Yo, c'est Raph du montage. Bon, là, on a eu quelques soucis par rapport à la musique qui était diffusée dans l'avion. Donc, cette séquence n'aura pas de son. Donc, je vais parler à la place de Riyad et on va faire un pierre, feuille, ciseau. C'est parti. Ok, les gars, venez, on fait un pierre, feuille, ciseau. Yes, c'est parti. Ok, let's go. Pierre, feuille, ciseaux, 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. Yes, aïe. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Yes, j'ai gagné. Je suis trop fort, yes. Je suis bon, voilà. Super, merci beaucoup. Tu vas faire comment? À la prochaine. Non, t'as salué de le récupérer, on voit du scan. Propre, tu dis de l'imprimer. Vas-y, les cousins. Ça y est, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. Et la première chose que je vois, c'est quoi? La pluie, mon frère. Regardez les vitres, les gars. Oh là 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 là. À Dubaï, il a jamais plu. Bon, sur ce, à tout de suite. C'est comment, mon loup? C'est léger. T'as passé un bon vol? Ouais, j'ai passé un bon moment. Hein. Sur la même tête de rat. Hein. J'aime bien ton petit style aujourd'hui. J'aime bien ton style aujourd'hui. Ça? Non, je rigole. Jusqu'à la fin, mon été, mon frère. C'est comment V9-2? Ouais, ça y est, hein. Direction la pluie. T'as dit quoi? Je vais pas rester long feu. Je vais pas rester long feu. Charles de Gaulle, les frères. Eh, hey, peu importe où tu vas dans le monde, frérot, quand tu arrives à Charles de Gaulle, t'es content, ma gueule. Quand t'arrives à Charles de Gaulle, t'es heureux, frère. Charles de Gaulle, ça fait partie de mes top 3 des aéroports. Avec l'aéroport de Oran, il est pas mal celui-là aussi. T'as dit quoi? T'as entendu? T'as dit quoi? Pour une fois, j'ai les premiers, faut attendre ça me faire foutre. Mais attends, je crois qu'il y a les papiers à remplir, mec. Ça y est, c'est bon. Regardez-moi ça, des grands millionnaires, des grands entrepreneurs, regardez comment ils font, mon frère, regardez. Oh là 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 là. Allez, salam alaikum. Bah voilà, je vous le présente, lui, c'était le gourou de. Il se barre comme ça, il se barre en célèbre. Hey, il a pris la quicheta, il carrebe, ça y est. Oh là là. Il a cassé, il a perdu son truc volant. Il t'a fumé le wad. Il a enculé ma vie et il est parti. Il a enculé ta vie, tout content. Voilà, le courage, à deux de te smack. T'es mal poteau, les sous-mapliques. Je le vois bien entraîner des petites 13 ans. Mais ouais, je me dis, ah, ta carte SIM, elle est où ta carte SIM? Je sais pas, je l'ai perdu. Dans le lit. Bah ouais, quand je suis venu, et j'étais sur le lit. Bah ouais, c'est toi. Bah voilà, ils se retrouvent sans carte SIM. Mais moi j'ai été malin. Parce que 3 jours avant d'arriver, j'ai dit à ma mère, commande-moi une puce. Là, je suis arrivé chez moi, la puce, elle m'attend, Manuel. Jure. Voilà. Eh, t'es malin. Ton avion là. Est-ce que je peux t'appeler Vargas entraîneur? En plus, t'es malade. L'entraîneur de l'équipe poule. Achetez des armes, tu fais le fou. Là, tu vois, tu vas mettre debout, il se tombera. Allez, sans ma valise. L'entraîneur de l'équipe poule. Ouais, ça va dire des gros mots dans mon vlog, ma gueule. T'es sérieux ou quoi? Je m'en bats les couilles, il y a une petite en.
Il est vulgaire Vargas 9-2, voilà. Voilà Vargas 9-2, faut le boycotter les frères. Écoutez, faut boycotter ce fils de pute de Vargas. T'as le mec, il a rien compris. Mais c'était un foot, mais tu sais que je vais la mettre ma gueule. Ouais, t'as, je rigole, ouais. Faut pas boycotter ce. Mais bien sûr faut le boycotter. Je vais raconter une anecdote qui s'est passée ou pas. À la villa, le dernier soir de la villa. Quand les autres ils sont partis. Bon maintenant il y a une raquille qui arrive dans la villa tout. Il y a le frérot, il était là on leur dit ou pas que t'avais la main dans le calabar. Bon ça y est les gars, je viens d'arriver chez moi à la maison. Voilà. En plus c'est ma maison, elle est en travaux, c'est trop bizarre. Donc voilà, on a retrouvé ma maman dans le Banks comme d'habitude. Maman, est-ce que t'es contente de me retrouver? Bah oui, tu nous as manqué, Abonnez-vous à mon Instagram. C'est N7-MYTIKZ, abonnez-vous à mon Instagram. Toi, je t'ai manqué ou pas? Est-ce que je t'ai manqué? Ça va. Hein? T'es manqué ou pas? Dis la vérité. Ça va, j'ai vécu. Dis la vérité, est-ce que je t'ai manqué? Bah ouais. Fais-moi un câlin. Fais-moi un gros câlin, Wissem. Ah, j'ai oublié que j'avais une sœur. Dubaï, quoi? T'as vu mes vidéos et tout là-bas? Maman, je vais pas te mentir, il m'a manqué. Maman, je sais. Ah, je vous ai manqué dans la maison? Je vous ai manqué dans la maison, quoi? Bah oui, tu les as manqué. L'ambiance, elle était vide. Regarde, après le salon, c'est un cours, il a rien vu. Il a l'air d'être bien. Mais en fait, c'est troublant. Pire, ça fait plaisir d'être à la maison là. Ah là là. Bon, les gars, on va parler de choses sérieuses là. À tout. Les gars, oh, regardez, j'ai retrouvé qui? Eric. Coucou toi. Tu m'as manqué toi. Est-ce que je t'ai manqué? Je t'ai manqué ou pas? Ah, purée. T'es trop belle Eric. Bon, je parle à un chat. Ouais. Donc voilà, très content d'entrer à la maison. Bisous, je vais aller manger avec mes parents. Bon les gars, c'est un autre jour là où on est le lendemain de que je suis arrivé. Voilà, c'était juste une petite conclusion pour vous dire voilà, merci les gars de m'avoir suivi à Dubaï, c'était vraiment kiffant, c'était vraiment top. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, hein, et de vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé. Donc voilà, je pense que c'est une bonne vidéo. Donc voilà. Bon merci le frérot, vis toujours, merci d'être la personne que tu es. Ok, merci d'être là, Vie, c'est vraiment le boss. C'est le B-O-S-S-S-S dans le max comme d'hab. Yeah. Bon ami, merci d'avoir regardé la vidéo dans le max comme d'hab. C'était votre Gariette comme d'habitude. Bisous l'équipe. Babings. Pouf. Tu vas aller au bout du monde.